Good morgen, allez, Iden, l'étude aujourd'hui le Lunishmat, Moriv Rabbi Shmuel, Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Ahuda, Sarah Batran Rachel, Shlomo Ben Esther, Risha Batraim Nechemia, ainsi que Dolfoat Ava Mori, Ben Reut, Betor, Char, Cholé Israël. Si vous souhaitez, vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhet Zbachim, Perikud, Mishnah Dalet. Ha Ofot Kodmin la Menachot, Mi Pene, Shehen, Minei Damim. Minchat Chote, Kodem et le Minchat Nedava, Mi Pene, Sheiba Alchet. חטאת העוף קודמת לעולת העוף, וכן בהקדשה. On continue avec les règles de priorité, les hiérarchies entre les korbanot, pour savoir, lorsque l'on a deux korbanot à faire, moi je suis Kohen Obed Amigdash, deux bons juifs arrivent devant moi, chacun avec son korban, et ils veulent faire les deux. Maintenant, j'ai qu'une main pour travailler, parce qu'on travaille tout avec la main droite Obed Amigdash. Ouais, tout se fait avec la droite. Et donc, je ne peux pas faire les deux, bien évidemment. À qui je donne priorité? C'est le sujet de notre Mishnah. On apprend plusieurs règles. Depuis la Mishnah Bet Gimel et maintenant la Mishnah Dalet, on parle des priorités à l'intérieur des korbanes selon l'importance, le niveau de sainteté. Toutes les règles que l'on apprenait dans le Perek Hamishi et Zomokan Shazvachim, on apprenait là-bas différentes caractéristiques de chaque korban. Ça révélait l'importance de chaque korban pour lui donner ensuite priorité lorsque les deux se retrouvent ensemble. Ok ? Maintenant, dans la Mishnah précédente, on a commencé à comparer lorsqu'on a des zvachim et des ofot, des animaux de bétail que l'on doit égorger avec le couteau, avec, à la différence des ofot, des volailles que l'on égorge avec l'ongle du Kohen, la Melika. Maintenant, on va descendre encore un niveau dans notre Mishnah et on va comparer à ofot kodmin la menachot. Les volailles précèdent les menachot. Les oblations de semoule, d'accord, les oblations de blé, de semoule, de farine. Et mipene shehen mine damim. Pour quelle raison? Parce que les ofot ont quand même l'avantage d'avoir du sang. Donc le sang, quelque part, faire un korban, le principe du korban, c'est expliqué dans le Jeunim, dans Ramban, dans Rabbeinu Bechaye, au début de Vaikra, plutôt le principe essentiel du korban, c'est de donner la vie en sacrifice à ma place que moi j'ai transgressée, ou d'accord, j'ai enfreint, en théorie je devais, chas v'shalom, partir, et j'amène un korban à ma place, c'est ça le principe du korban. Donc, Adam ou Anefesh, le sang, c'est lui qui représente la vitalité, donc le korban, la base du korban, c'est d'abord d'être le sang. La Torah, elle a été large, elle aussi peut donner la possibilité d'apporter quand même pour les pauvres, dans certaines situations, d'apporter aussi des menachot, des oblations de blé, de semoule. Mais c'est sûr que c'est un niveau inférieur, d'accord? De ce fait, la Mishnah m'enseigne à Ofot, Kodmina, Menachot. Les volailles, donc les sacrifices de volailles, où tu feras la Melika, Kodmina, Menachot, se précéderont toujours les menachot, les oblations. Pour quelle raison? Mipenei, Shehen, Mine, Damim. Parce que les Ofot ont quand même l'atout d'être du sang. Le Barthénois, il explique, « Ou miné damim kaparatan meruba » Lorsqu'on a du sang, alors c'est plus mechaper, la kapara, elle est... Je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire précisément, en fait. Pendant que j'ai lu maintenant, je me suis dit que j'étais fait une autre interprétation. En tout cas, « Ou miné damim kaparatan meruba » L'essentiel des caparotes se produit grâce des caparotes, des expiations des fautes, c'est avec le sang, donc c'est plus important. D'accord? Je ne sais pas exactement c'est quoi l'intention de Barthénois, j'ai quelques petits doutes. Mais en tout cas, on peut avancer. Ensuite, Minchat Chote, Kodemet Minchat Nedava, Nipene Sheiba Alchet. Il faut savoir qu'il y a des fois des Minchat Chote dans certaines situations. Minchat Chote, il nous dit le Tiferet Israël par exemple, à Seret Vash, il m'écrit Vaani et Kshachata Bishuwa Taïdout, le fameux Korban Olev et Yored. Il y a des Korbanot que la Torah a dit Dechataot. Que la Torah elle a dit, si tu es pauvre, c'est pas la peine d'apporter une kisba au Seira, tu pourras apporter aussi des volailles. Et si tu es vraiment très pauvre, tu pourras même aussi apporter des oblations de blé. D'accord? Korban Olev Yored, celui qui va entrer, il leur apporte le Barthénois, je vois ta Edout, je vois de Bitouille, Toumat Migdash Mekodashav. L'avant-dernier Perek de Vaikra, de la Parcha de Vaikra, au Perek He, si je ne me trompe pas là-bas, ouais. Parce que Vav, c'est déjà de la Shamot, si je crois. En tout cas, là-bas, il y a toute une série de... Ce qu'on apprenait dans Mesrat déjà Jouot, on en parlait, le Tumat Migdash et le Kodshav, celui qui rentre impur au Bet Migdash, il apporte un korban khatat, mais c'est un khatat inférieur, c'est ce qu'on appelle un Ole Veyored. Cette minchala qu'il devra apporter, c'est une minchat choté. Elle vient pour expier une faute. À la différence
des simples oblations que l'on offre en cadeau pour le Mizbeach. Autant qu'on peut faire une Ola, on va offrir aussi une Mincha. De ce fait, selon la grande règle qu'on a déjà évoquée dans la Mishnah précédente, priorité d'abord à celui qui vient présenter ses excuses sur un écart. D'abord on dit pardon sur les fautes, et puis après on fait des cadeaux. D'accord ? C'est l'ordre normal. De ce fait, si tu as une Mincha trottée face à une Mincha Nedava, donc une oblation d'un fauteur qui veut se faire expier une faute, face à une Mincha Nedava, une oblation de quelqu'un qui veut juste faire un beau cadeau, un cadeau Hachem, alors dans ce cas-là, tu donneras priorité à la Mincha trottée, à l'oblation du fauteur. Pourquoi ? Mipene shehi ba'a al-chet, puisqu'elle est en train de venir en ce moment sur une faute. Elle vient expier une faute, donc elle aura priorité. Idem, la notion qu'on évoquait dans la Mishnah précédente, Khatat ha'of kodem et leolat ha'of. La Khatat ha'of, lorsqu'on a maintenant deux korbanot, deux volailles, la Torah elle me dit dans certains endroits d'apporter Shte torim oshne benayona, soit deux tourterelles, ou soit deux bnei yona, deux pigeons. Un qui sera Khatat et l'autre qui sera Ola. Selon le même principe toujours, d'abord tu feras la Khatat et ensuite tu feras la Ola. D'accord ? D'abord on expie la faute et puis après on offre des cadeaux. Et la Mishnah continue en me disant Vechen behek desha. Idem aussi lorsque tu les sanctifieras. C'est-à-dire, je dois apporter moi deux torim, un qui va être Khatat, un qui va être Ola. Et bien d'abord tu commences à prendre le premier, tu dis Ze Khatati. Et après tu prends le deuxième et tu dis Ze Olati. Ça, ce sera Maola, cela sera mon Khatat. Le Bar Tanoura nous rapporte que c'est déduit tout ça d'un pasouk, va écrire Vatacher la Khatat Barishona dans Maïkra, c'est spécifiquement dans le Korban de la Vayored, à propos des Ophot, la Torah elle m'a dit tu feras d'abord la Khatat en premier. De là, on a déduit la grande règle qu'on donnera toujours priorité au Khatat. D'accord ? Je reviens maintenant sur un petit détail de la Mishnah Bet. On va comparer maintenant un petit point important et on va faire un petit peu d'ordre. Il y a un petit problème. Il y a marqué ici que tu donnes priorité au Khatat. La notion, elle est vraie, mais elle est apparemment pas exacte dans toutes les situations. Si vous revenez en arrière dans la Mishnah Bet, on apprenait là-bas, il y avait comme ça. On apprenait certes que Dam Khatat Kodem le Dama Ola, mais Pinachou Meratse. Le Dam Khatat, le sang d'un Korban Khatat, quand on parle maintenant de bétail. La Khatat avant la Ola, pourquoi ? Parce que ça vient expier une faute. Mais la Mishnah continue en me disant Est vrai Ola Kodmin le Mouré Khatat. Les membres de la Ola. Ils vont monter d'abord prioritairement sur le Mizbeach avant les membres du Khatat. Je m'explique. Lorsqu'on fait Korban, il y a deux parties. Il y a la Avoda, tout le service qu'on fait avec le sang, Shrita Kabbalah Ola Chazrika. On égorge, on récupère le sang, on l'amène dans le Mizbeach et on verse. Ça, pour toute cette partie-là, tu donnes priorité au Khatat avant la Ola. Mais la Mishnah m'enseigne, mais une fois qu'on a fini maintenant de faire la Kapara, maintenant, on a maintenant plusieurs heures, le propriétaire va rentrer chez lui à la maison, il va laisser les Kohanim maintenant s'occuper de la suite, apporter les parts qu'il faut apporter au Mizbeach et manger les parts qui leur reviennent de droit. Le propriétaire ne restait pas sur place en train d'attendre qu'on mange. Ouais. On faisait ça durant toute la journée qui suivait et même la nuit qui suit. On avait toute la nuit jusqu'au petit matin pour faire tout, monter les graisses qu'il fallait et puis manger aussi le reste de la viande. D'accord ? Maintenant, donc, sur la deuxième partie ensuite, de faire monter les membres, là-bas, il y a marqué qu'on donne priorité à la Ola avant la Khatat. Faut pas oublier. D'accord ? C'était précisé. Pour quelle raison ? Le principe est simple. La Kapara, elle a déjà eu lieu. Si la Kapara a déjà eu lieu, alors sur ça, on redonne priorité à la Ola, que dans ce cas-là, elle a aussi un atout, que puisqu'elle est entièrement pour Hachem, alors c'est signe qu'elle est plus que Dosha. D'accord ? Selon ce principe, à chaque fois qu'on va voir que tu donnes priorité à la Khatat avant la Ola, on va te dire, tu commences par la Khatat et tu vas jusqu'au bout de la Khatat. Et seulement après, tu commences la Ola. Et tu vas jusqu'au bout. Et si toutefois, tu as interféré les deux, tu as commencé la Khatat, tu as continué à faire la Ola, mais tu n'as pas fini la Khatat, et bien tu devras apporter les membres de la Ola avant les membres de la Khatat. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslachakotou. Salam.